Cher Thibaut Nontalembert, je suis vraiment ravie de vous accueillir à Nancy ce soir. Tout le monde vous connaît, donc je ne vais pas vous présenter. Simplement rappeler que le comédien que vous êtes est ancien pensionnaire de la Comédie française, que vous avez été formé au cours Florent par Francis Huster, à l'école des Amandiers par Patrice Chéreau, avec lequel vous avez passé de longs moments. Vous êtes avant tout un acteur de théâtre, évidemment un amoureux des mots. Le public le sait peut-être moins, mais vous êtes aussi une voix, la voix française de Hugh Grant, celle de Brad Pitt aussi, celle d'Antonio Banderas. Bref, votre voix, on la connaît beaucoup. Et puis, depuis octobre 2015, et nous en parlerons tout à l'heure, parce que j'imagine que ça a changé un peu votre vie, en tout cas dans les rues, quand vous vous promenez, vous êtes le célèbre agent Mathias Merdeville de la série non moins célèbre 10%, dont la quatrième saison sera tournée, je crois, à l'automne prochain. Alors, parce que vous aimez peut-être plus que tout la lecture à voix haute, nous vous avions demandé, lors du livre sur la place 2017, si vous accepteriez de lire Vernon Subutex de Virginie Despentes en sa présence. Vous aviez heureusement accepté, et cette soirée à l'Opéra, d'après ce que j'ai compris, est à l'origine du livre que vous publiez aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire, Et le Verbe se fait chair. Alors moi, je suis toujours très émue quand le livre sur la place permet la naissance d'un livre. Donc j'aimerais que vous me confirmiez déjà cela avant que nous ne parlions de votre livre. Bonsoir tout le monde. Déjà, je suis très très impressionné de voir tous ces gens qui sont venus ce soir. C'est très sympathique de vous rencontrer. Oui, effectivement, ce livre est né à Nancy. Parce qu'il y a eu, avant la lecture, un déjeuner. Et je me suis retrouvé à ce déjeuner avec plusieurs éditeurs à une table, et dont Muriel Beyer, qui venait plus ou moins de créer les éditions de l'Observatoire. Enfin, ça faisait un an, je pense, à peu près. Et qui m'a dit à la fin du déjeuner, il faudrait qu'on se voit à Paris, qu'on prenne un café, j'ai peut-être un truc à vous demander ou à vous proposer, etc. Mon voisin aussi, d'ailleurs, m'a fait la même chose, qui était... j'ai un trou, c'est terrible pour lui, mais bon, bref. De toute façon, c'est Muriel Beyer qui a gagné, là. Exactement, exactement. Donc, quand je suis revenu à Paris, après, je les ai appelés tous les deux, on a pris un café, et tous les deux m'ont proposé d'écrire un livre, mais pas le même. Muriel m'a proposé de rentrer dans cette collection qu'elle commençait, qui était une collection où elle demandait à des acteurs, des artistes, de parler de leur rapport à la littérature, comment est-ce que le livre prenait place dans leur vie, avait influencé leur vie, changé leur vie aussi, d'une certaine manière. Donc ça, c'était la proposition de Muriel, et la proposition de cet autre monsieur qui m'échappe, c'était de faire un livre, parce qu'il se trouve que j'ai un frère qui est écrivain, mais qui est plus écrivain que moi, quand même. Hugues de Montalembert, voilà, et qui voulait que je fasse un livre de correspondance entre lui et moi, ce que j'ai trouvé très compliqué, dangereux, parce que c'est chacun chez soi, non, quand même. On s'entend très très bien, mon frère, c'est vraiment mon meilleur ami, mais lui est écrivain, moi je suis comédien, donc on mélange pas les choses. J'ai trouvé que la proposition de Muriel était peut-être plus personnelle et puis moins dangereuse. Mais j'ai hésité longtemps. Alors j'ai hésité longtemps... parce que, je le dis dans mon bouquin, j'ai un rapport à l'écriture qui est un peu particulier. Et puis, je me suis dit que je pense dans la vie qu'on a chacun d'entre nous une boussole. Quand on a peur de quelque chose, c'est que c'est intéressant. C'est qu'il faut y aller. Parce que c'est là où on a peur d'aller qu'on va apprendre des choses. Donc, je me suis dit, il faut y aller. Et vous avez eu raison. Alors, ce livre est la preuve que lorsque l'on parle de ses lectures,
finalement, c'est une autobiographie que l'on fait derrière. Vous avez décidé non pas de l'écrire, vous dites que vous avez un problème avec l'écriture, je crois, et l'orthographe, mais de le dicter. Finalement, vous avez écrit en comédien. Vous avez utilisé l'écriture, la parole, oui, c'est pour ça. Construire ce livre. Oui, est-ce voilà. Est-ce que c'est plus facile de dire les choses en les dictant? Est-ce qu'on est moins pudique, finalement? Peut-être, mais c'est surtout que c'est une espèce de... Le fait de dicter, forcément, on est dans un rythme de la pensée qui est moins lent qu'à l'écriture. Il y a des très grands auteurs qui ont dicté. Je pense à Dostoïevski. Dostoïevski, je crois, a dicté toute son œuvre à sa femme, pratiquement. D'où un rythme qui est assez... Et que Markovitch, d'ailleurs, dans ses traductions de Dostoïevski, a réussi à rendre. C'est une espèce de rythme qui est assez... Avec des phrases plutôt assez courtes, qui est assez haletant et qui se marche, en fait. Parce qu'il paraît qu'en plus, il dictait en marchant. Donc il n'était pas assis, etc. Moi, j'ai pris le biais de me servir d'un logiciel qui s'appelle Dragon Dictate, qui est un logiciel où vous parlez dans un micro et vous voyez tout le texte s'afficher. Parce que mon problème, c'est l'orthographe. Je suis une des victimes de ce qu'on appelait la méthode globale, et j'ai appris à lire avec ça. C'est-à-dire que je fais en moyenne 10 fautes par page, ou pas du tout. C'est-à-dire c'est selon l'humeur un peu, donc c'est un peu compliqué quand même. Après, je ne fais pas de fautes de grammaire, mais c'est vraiment des fautes d'orthographe, quoi. Donc j'ai préféré commencer à faire ça comme ça. Muriel m'a adjoint Ségolène Vincent qui m'a aidé à faire ce livre. Ségolène est une journaliste, elle est une des journalistes qui travaillait à Charlie Hebdo et qui a échappé au fameux jour, et c'est un écrivain, d'ailleurs, qui vient de sortir un livre, oui, qui est très bien, que j'ai commencé à lire, qui est formidable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai enregistré 30 pages, qui sont sorties comme ça. Bon, j'ai enregistré 30 pages, que j'ai données à Ségolène, qui est venue me voir, on a pris rendez-vous, et pendant 2 jours, elle m'a posé des questions par rapport à ces 30 pages, elle a pris des notes en fonction de mes réponses, puis elle est repartie de son côté, et elle a injecté mes réponses dans mes 30 pages. Et elle m'a envoyé le tout. Et là, je me suis dit, j'ai fait une erreur. J'aurais jamais dû accepter ça. Parce que tout d'un coup, il y avait la voix de quelqu'un d'autre, les mots de quelqu'un d'autre, sur finalement quelque chose d'extrêmement intime. Parce qu'effectivement, je parle de... C'est une collection qui parle des rapports des artistes à la littérature. Je sais par exemple que Jacques Weber en a sorti un, là, récemment, dans cette collection... Il n'a pas pris du tout le même biais que moi. Je crois qu'il parle de 2 ou 3 œuvres qu'il dissèque, etc., qui sont des œuvres qui ont beaucoup compté pour lui dans sa vie. Je crois qu'il y a Flaubert, je me demande s'il n'y a pas Madame Bovary, enfin bon. Mais il n'a pas pris du tout le même chemin. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de me servir de ce prétexte de la littérature pour faire peut-être le point aussi de ma vie, là où j'en étais à ce moment-là. Et donc de partir du tout début, c'est-à-dire de avant même le temps où on sait lire, c'est-à-dire du temps où on vous raconte des histoires. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon père et puis cette vieille tante dont je parle dans le livre qui me racontait des histoires le soir avant de m'endormir, et c'était les contes de Grimm surtout. Elle me lisait les contes de Grimm. Et ça a été mon premier rapport à la littérature. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de... Voilà. Donc, l'imaginaire passait par le livre. Et, voilà, je suis... donc, j'ai commencé à dérouler le fil de ça pour arriver jusqu'à maintenant. Donc, c'est un petit livre autobiographique, comme ça, mais dans lequel je parle de moi vraiment. Parce que tant qu'à faire d'écrire un livre, peut-être j'en écrirai qu'un dans ma vie, c'est celui-là, tant qu'à faire d'écrire un livre, autant risquer quelque chose. Parce que si c'est pour ajouter un livre sur les 500 qui sortent chaque année, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc l'intérêt que je pouvais y trouver, c'était vraiment d'y mettre quelque chose de moi. Donc je vois revenir ces 30 pages avec les mots de Ségolène
Et tout d'un coup, je me dis, mais c'est... J'ai eu l'impression, c'était terrible à dire, mais j'ai eu l'impression d'avoir été violée un peu quelque part. C'est-à-dire que c'était, on parlait de ma vie, mais avec des mots qui n'étaient pas à moi, et c'était très violent. Donc je me suis dit, je vais arrêter, je vais appeler Muriel, je vais dire non, je me suis trompé, je ne veux pas continuer cette histoire. Puis j'ai réfléchi, je me suis calmé, j'ai tout réécrit, et là a commencé vraiment un échange entre elle et moi, où je réécrivais, j'écrivais, mais elle me conduisait, disons. Et au final, le livre, il est de moi. Il est de vous. Il est de moi, c'est-à-dire, il me ressemble complètement. Il n'y a pas un mot qui est dans le livre que je n'ai pas écrit, pensé, voulu, etc. Donc, même quand il y a des mots qui viennent d'elle, je les ai acceptés. Alors, on sent que vous êtes, depuis le tout début de votre vie, quasiment fasciné par les livres, en tout cas depuis les premières années. Les livres sont chez vous associés aux maisons. Mmh. Les maisons, premier décor en fait de vos lectures, la maison de votre mère d'abord, mmh. et puis ces maisons que vous avez perdues. Mmh. Et ces maisons de votre enfance, finalement, sont elles-mêmes un livre, dites-vous. Oui. Et d'ailleurs, les livres sont votre maison aujourd'hui. On peut aller à l'autre bout. Oui, absolument. On peut lier les deux. Oui, absolument. En quoi la maison, le décor est important quand on est un enfant et qu'on commence à lire, à explorer à travers ses lectures, à se sentir un aventurier? Je pense que c'est une question d'espace. C'est-à-dire que quand on est petit, on commence à peine à marcher, on rampe, puis on se dresse sur ses pieds, puis on va explorer l'espace. Et finalement, on a une vision de l'espace enfant que les adultes ont perdu. C'est-à-dire d'un espace commun partagé, l'enfant a une vision très différente de celle de l'adulte, puisque d'abord la taille est plus petite, donc il voit ça à un autre niveau, mais il voit ça en général. Quand on revient dans des vieilles maisons ou des endroits qu'on n'a pas vus depuis des années, qu'on était petit, on se dit « Ah, c'est si petit que ça !» Dans mon souvenir, c'était beaucoup plus grand. Parce que l'imaginaire de l'enfant va commencer à créer des endroits, il va poser son imaginaire sur des lieux, sur des espaces qui sont les maisons de vacances, les maisons des grands-parents, où il y a des greniers, où il y a des pièces, où on entasse des trucs qu'on ne veut pas garder, mais qu'on garde quand même. Enfin voilà. Et ces endroits, ça devient des lieux d'exploration pour l'enfant. Donc il va se concocter tout un imaginaire autour de ça. Voilà. Et c'est vrai que moi, je me suis construit. Alors il se trouve que ces maisons, encore une fois, n'avaient pas de télévision. Donc le rapport à l'image n'existait pas, en tout cas pas de la même façon. Et donc c'était à travers les livres que ça se passait. J'étais un enfant solitaire, même si je viens d'une famille de 7. Mais je suis le dernier et il y a beaucoup d'écart entre l'avant-dernier et moi. Donc, en fait, je me suis retrouvé assez seul, finalement. Ouais. Et ça a été ma bouée de sauvetage, les bouquins. Vraiment. C'est-à-dire que je m'ennuyais. Je m'ennuyais, donc il fallait absolument vaincre cet ennui, vivre, en fait. Et c'était les livres c'est les livres qui m'ont apporté ça. Je pense que ça peut être un peu la même chose aujourd'hui avec les séries, qui peuvent être aussi une façon de fuir, parce que lire, c'est aussi fuir sa vie de quotidienne pour aller dans un autre espace imaginaire. Une série aujourd'hui, je pense qu'elle a à peu près la même fonction, mais c'est l'espace-temps qui est différent. C'est-à-dire l'espace-temps d'une série et l'espace-temps d'un livre n'est pas le même. Alors, vous avez des pages extrêmement... forte et troublante justement sur votre solitude d'enfant. Vous dites que la lecture vous a permis de mettre des mots sur vos cauchemars déjà. C'est une enfance effectivement avec des parents aimants, mais triste en même temps. Ces cauchemars, vous écrivez que vos parents vous sanglaient pour que vous ne tombiez pas. Oui, ça paraît terrible aujourd'hui, mais enfin, c'est pas si terrible que ça. C'était pour m'empêcher de me casser la gueule quand j'étais tout petit dans mon lit. Alors, on m'attachait dans mon lit, bon, ok, voilà. Mais après, ça va, j'ai quand même eu une enfance vraiment très, très heureuse, mais pas gaie. Pas gaie, on non, le sent. Non, pas gaie.
mais heureuse quand même parce que des gens qui m'ont beaucoup aimé, mes parents m'ont beaucoup aimé, et ça c'est quand même le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, c'est d'être aimé quand même. Même si quelquefois on trouve que leur amour n'est pas exactement celui qu'on voudrait, mais ça c'est la vie, c'est normal. Après, j'ai eu une enfance solitaire, donc comme c'était solitaire, parce que j'étais asthmatique, donc quand vous allez à l'école et que vous savez pas, vous pouvez pas faire de sport, c'est mal vu, enfin, c'est pas bien. Donc j'étais un peu ostracisé par les autres, et du coup je me réfugiais dans mon univers. Mais au bout du compte, cet handicap entre guillemets, hein, vraiment, de départ, m'a permis de développer un imaginaire assez fort et sur lequel s'est construit aussi ma capacité d'acteur. Oui, d'ailleurs, vous écrivez à un moment que la solitude, vous l'avez détestée et que aujourd'hui vous la bénissez. Oui. Parce qu'elle vous a permis de développer cet imaginaire. Oui. Et d'ailleurs, je cite Patrice Chéreau qui dit la même chose. À un endroit, je ne sais plus dans quel livre, il parle de... Il détestait son enfance, mais en même temps, il bénit cette enfance où il était très solitaire. Parce que, pareil, ça oblige à aller chercher des choses. Alors, vous parlez de votre père qui était... dépressif quand même, dont le livre de chevet était Les Essais de Montaigne, en disant qu'il ne vous avait pas ouvert au livre, ou alors indirectement, pour combler le vide et le silence. Et vous avez aussi un paragraphe très émouvant sur votre mère, qui a été la première à placer votre voix, qui aimait chanter, qui était malade. Et que vous alliez écouter la nuit, vous vous mettiez derrière la porte. Votre rencontre avec elle, c'était la nuit. Et elle ne le savait pas ? Non, elle ne savait pas, non. Non, ma mère était à moitié irlandaise. Elle avait un caractère bien trempé. Et elle était malade, effectivement. Elle avait de l'arthrose à l'époque. L'arthrose, c'était... Maintenant, ça s'opère très, très facilement. Mais à l'époque, c'était compliqué. Moi, j'ai toujours connu ma mère plus ou moins couchée et souffrante. Mais elle avait du caractère, elle avait vraiment du caractère, et elle voulait devenir chanteuse lyrique, et puis la guerre a éclaté, mariage, les enfants, enfin tout ça a fait que son désir ne s'est pas concrétisé, mais elle chantait beaucoup, les opéras, les grands opéras de Verdi, elle adorait ça, et comme elle dormait pas la nuit parce qu'elle avait mal, du coup elle écoutait la radio et elle chantait. Et moi, effectivement, je me mettais à la porte et je l'écoutais chanter. Je préférais l'écouter chanter là, d'ailleurs, qu'à la messe le dimanche, parce que mes parents étaient très catholiques, on allait à la messe tous les dimanches. Et alors, tout d'un coup, quand vous êtes un petit garçon et que vous avez votre mère à côté de vous qui se met à chanter avec une voix de cantatrice dans l'église où elle couvre tout le monde, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous enterrer, de disparaître sous terre. D'ailleurs, votre mère avait décidé d'offrir son fils en fait à la religion et que vous alliez devenir missionnaire. Oui, enfin, elle aurait bien aimé. C'est un peu comme dans les frères Karamazov. Hein. Il y a les trois fils. Oui. Alors, il y a l'aîné qui remplace le père, enfin, qui va porter qui va hériter, disons, de ce sens du chef de famille. Il y a le second qui est une espèce d'aventurier, homme à femme, militaire, etc. Et le troisième qui est... qui rentre au séminaire pour devenir curé. Et en fait, c'est une espèce de dessin qu'on retrouve assez régulièrement. Il se trouve que dans ma famille, c'est à peu près ça. C'est-à-dire, on est trois frères. L'aîné a repris certaines choses de mon père. Le second est un aventurier qui est parti parcourir les mers pendant pas mal d'années et voyager. Et voilà. Et moi, effectivement, ma mère aurait rêvé que je sois prêtre. Et pendant un temps... Ça a bien failli, hein ? Ça a bien failli. Pendant un temps, son désir a été secondé par le mien. Et je suis effectivement, à un moment, rentré dans les ordres. Alors, si vous n'aviez pas bifurqué comme Michel Bouquet, on va en parler dans quelques instants. Oui. Je voudrais juste qu'on revienne, finalement, à
Vous avez lu beaucoup de vie de saint. Et puis finalement, votre premier héros littéraire, c'est Arsène Lupin. Vous avez 9 ans et c'est votre découverte. Oui. Les polars vont entrer dans votre vie pour ne plus jamais en sortir. En sortir, non. 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 C'est vraiment, alors les polars, pour moi, c'est l'équivalent de la compulsion avec le chocolat ou les gâteaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai besoin de lire un polar. Et alors, il faut que j'en lise un, peut-être j'en lis deux, mais jusqu'à plus soif. Après, pendant 2-3 mois, il ne peut rien y avoir de ce côté-là, puis ça repart. C'est un peu compulsif. Et c'est vrai que je suis tombé sur Maurice Leblanc, sur Arsène Lupin, et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, je suis rentré, j'avais 9 ans, j'ai commencé à lire L'Aiguille Creuse, 813, enfin tous, les uns derrière les autres, et je m'étais totalement identifié à lui. J'avais construit dans ma chambre une espèce de mannequin que j'habillais, et je m'entraînais à devenir pickpocket. Comme ça. Et vous avez réussi à délester vos parents, quand même. Oui, absolument. Oui, j'étais devenu assez fort, quand même. Je pouvais enlever quand même l'alliance de ma mère, elle ne s'en rendait pas compte, la montre de mon père, je les dépouillais régulièrement. Et je rentrais chez moi aussi en crochetant les serrures. Et ça, j'étais devenu très fort aussi. Et quand est-ce que vous vous êtes dit que vous aviez envie d'être acteur ? Quand est-ce que vous avez ressenti que... À peu près en même temps que je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de devenir curé. Les deux étaient liés. D'ailleurs, votre premier rôle, ça a été le curé de Cucugnan. Exactement. Finalement. Exactement. Ce qui n'a pas dû déplaire à votre mère. Non, elle était ravie, bien sûr. Elle voyait déjà. Non, mais il y avait... Parce qu'il y avait ce côté, du côté de ma mère, il y avait quand même cet amour du théâtre, de la représentation. Mon grand-père, son père, était un homme qui faisait du théâtre amateur, mais de façon assez poussée. Il montait des spectacles qui étaient donnés ensuite au théâtre de Laval, puisqu'on était originaire de Laval, en Mayenne. C'est un truc qui est très irlandais, enfin, ce rapport aux mots, à l'histoire, à une espèce d'exagération permanente et tout ça. Et puis à côté de ça, il y avait quelque chose qui venait effectivement du désir maternel, mais quelque chose qui m'appartenait à moi aussi, qui était ce que j'appelle, moi, mon inquiétude métaphysique. C'est-à-dire, très tôt, je me demandais qu'est-ce que c'est le sens de tout ça, le sens de la vie. Le sens. Et je ne le cherchais pas, je ne l'ai pas cherché du côté de la philosophie, j'aurais pu, mais je ne suis pas un intellectuel, donc je ne l'ai pas cherché du côté de la philosophie. Ce qui m'attirait beaucoup plus, c'était, disons, la mystique, en tout cas, les vies de ceux qui, tout d'un coup, changeaient du tout au tout. Alors, par exemple, comme un type comme le père de Foucault, qui était un militaire saint-cyrien, fêtard, homme à femme, etc., et qui, du jour au lendemain, paf, il part en Algérie, et bon, il change de vie, et il devient le père de Foucault. Il y avait des tas de gens comme ça. Il y avait Saint-Ignace de Loyola aussi, celui qui a fondé les Jésuites. Pareil, ancien militaire, etc., blessé, et puis, illumination, il part en Chine, enfin bon. C'était des vies qui étaient à la fois complètement aventureuses, mais en même temps, qui étaient tout d'un coup... L'aventure, c'était l'aventure dans la vie, mais c'était l'aventure métaphysique aussi. C'est-à-dire, on va chercher des réponses, on va chercher quelque chose. Et comme je viens d'une vieille famille française, catholique, etc., la seule chose que je connaissais de ce point de vue-là, c'était l'Église catholique, qui ne me convenait pas totalement. Mais enfin bon, à l'époque, je n'avais pas l'esprit suffisamment critique pour... Donc je me suis dit, voilà, je vais aller là. Et je me suis retrouvé chez les trappistes, en fait. Voilà, oui. Donc ça aurait pu effectivement finir en moine, mais vous avez choisi le théâtre. Et avant d'arriver justement au moment où vous devenez réellement acteur, il y a ce moment dans votre vie particulièrement important où votre frère, Hugues, a un accident aux États-Unis et devient aveugle, et il revient en France, et vous allez commencer d'abord à lire tout ce qu'il vous suggère de lire, et surtout à lire à haute voix pour lui. C'est ça qui a dû être une étape, je pense, dans votre
à la fois dans votre imaginaire, dans votre vie et dans votre passion des mots, de la lecture ? Ça a été pas aussi conscient que ça, mais c'est certain qu'il y a eu le fait d'avoir à lire à haute voix pour quelqu'un. En plus de ça, on a commencé par lire les bouquins d'Henri de Montfred, La croisière du haschich, Les secrets de la mer rouge, etc., etc., qui étaient des coins qu'il connaissait, lui, par cœur, parce qu'il y avait été, il les connaissait. Donc, je lui lisais des histoires, et il m'arrêtait, il me disait « Ah mais oui, je vois très bien le petit village qui était là, etc., etc., c'est de ça dont il parle ». Donc, c'était une lecture qui était en même temps une espèce de dévoilement du monde, pour moi, qui était ce garçon vivant dans une famille bourgeoise en France, etc. Tout d'un coup, cet homme m'ouvrait le monde. Et ça se passait à travers la lecture. Donc, ça a été, oui, ça a été une sorte de début. Et puis, très vite aussi, il m'a beaucoup poussé à aller dans le sens de mon désir de jouer, de faire l'acteur, etc. Que vous aviez déjà, vraiment. Que j'avais déjà, oui, vraiment. C'est-à-dire que quand j'ai voulu être curé, je suis rentré au monastère, etc. Les bons moines, qui étaient quand même pas totalement idiots, m'ont dit « Écoute, tu repasses ton bac d'abord, et puis dans un an, on verra si ça marche toujours. » Et dans l'année, j'ai rencontré ma première femme. Et donc, ben voilà. Donc, vous n'êtes jamais revenu. Et je suis jamais revenu. Merci. Donc, exit le monastère, qu'est-ce qui reste ? Acteur. Ok, bon, très bien. J'avais 19 ans. Je me suis dit, je me donne jusqu'à 25. Si à 25, vraiment rien ne se passe, ce sera toujours temps de faire autre chose. Et là, vous allez rencontrer Jean-Louis Barrault. Et là, je vais effectivement rencontrer Jean-Louis Barrault, qui tenait à ce moment-là le théâtre du Rond-Point, la compagnie Jean-Louis Barrault avec Madeleine Renaud, tout ça, et que c'était un peu l'acteur de théâtre que tout le monde connaissait et qui avait pignon sur rue. Donc je suis allé le voir un jour et je lui ai dit « Bonjour monsieur, voilà, je voudrais être acteur peut-être, mais je ne sais pas si j'ai raison. Est-ce que ça vous ennuierait de m'écouter ?» Il m'a dit « Non, pas du tout, viens. » Donc il m'a emmené et il m'a foutu sur la grande scène du Rond-Point. J'avais un trac parce que je pensais qu'on allait faire ça dans son bureau quelque part, etc. Et il m'a dit « Monte là. » Puis il s'est mis dans la salle et je lui ai récité le monologue de Ruy Blas, « Bon appétit messieurs, aux ministres intègres, conseillers vertueux, ta ta ta. » Bon. Et puis à la fin, il m'a dit « Non, c'est bien, il y a quelque chose. » Tu es trop intelligent, il faut que ça descende dans le corps, il m'a dit. Mais il m'a dit, il y a un univers, il y a quelque chose, il faut que tu présentes le conservatoire, enfin, vas-y. Donc c'était blanc-seing, j'avais été adoubé, je suis rentré, et j'ai dit ça à mes parents qui ont dit, bon, bah, très bien, alors écoute, essaye. Et j'ai commencé. Alors, l'un des phares pour vous à ce moment-là, ça a été Jouvet. Ah oui. Jouvet et... Toujours, d'ailleurs. Toujours. Oui. Jouvet et Dulin, qui considéraient que la pratique du théâtre était liée à la langue. Et là, je lis parce que vous avez considéré que la langue se mâchait, se mangeait, s'ingérait. Mmh. Expliquez-nous un peu ça. Ben c'est ça, c'est exactement le titre du bouquin. Et le verbe se fait chair. C'est que pour faire du steak haché, il faut mettre la viande dans un truc qui va tout moudre et ça va ressortir en steak haché. C'est un peu pareil avec la langue, en fait. Il faut la prendre et puis la mâcher, la goûter, faire résonner les mots, les répéter, les faire sonner. Le mot, c'est une vibration. C'est une vibration qui est porteur d'une intention. Donc, à partir du moment où votre intention est juste et pile dans le mot que vous dites, vous allez créer dans le cerveau de celui qui écoute l'image correspondant à ce mot. Si vous êtes à côté de ce que vous dites, rien se passe dans la tête en face. Vous savez qu'on dit que dans la communication entre les êtres, le mot, l'échange verbal ne rentre que pour 10% dans la communication. Décidément, ça vous suit. Oui, ça me suit, oui. Entre les êtres. C'est-à-dire qu'il y a la façon dont on se regarde, la façon dont on se positionne physiquement,
les odeurs, les couleurs. Il y a tout un tas de langages autres que le mot qui va contribuer au langage. Donc, c'est bien que tout ça est une histoire physique sensorielle. Et le mot qui passe par l'oreille, par l'entendement, n'échappe pas à ça. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est Jouvet qui m'a initié à ça, parce que Jouvet, bon, Jouvet, ça a été une rencontre. C'est-à-dire que Jouvet, on n'a pas de système de jeu en France. Comme les Américains, ils ont l'Actor Studio, les Russes, ils ont Stanislavski, on peut dire presque que les Italiens, ils n'ont pas de système, mais ils ont la Commedia dell'arte qui, quand même, influence énormément la façon de jouer des acteurs italiens. Nous, on a des auteurs, et puis on a des maîtres, de temps en temps, qui sont là et qui viennent faire passer leur savoir, au sens vraiment artisanal du terme. Jouvet était un des grands comme ça. Bouquet est à la suite de Jouvet et dans la même lignée de ça. Bon, voilà, il y a quelques personnes. Et Jouvet est quelqu'un qui était lui aussi un grand inquiet métaphysique, qui avait un rapport à la spiritualité extrêmement fort et prégnant. Il a fait partie d'ailleurs de il a travaillé avec Gurdjieff à une époque. Enfin bon, il avait toute une recherche aussi. Alors, on sent que c'est au théâtre que vous êtes vraiment en adéquation avec vous-même, que c'est vraiment le théâtre qui vous marque particulièrement. J'ai lu dans votre livre que vous disiez que le monastère et le théâtre étaient complémentaires. En quoi ? En plein de choses. On joue aussi dans un monastère ? Non, c'est pas ça. C'est que pour rentrer dans un personnage, disons. Alors, si c'est un grand personnage, pas si c'est un petit rôle, etc. Enfin, il n'y a pas de petit rôle, mais un grand personnage, c'est-à-dire vous jouez l'avare, vous jouez le misanthrope, il y a besoin d'une certaine clôture pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce personnage. C'est-à-dire, pas tellement rentrer, mais plutôt le faire venir à soi, le faire descendre en soi. Et ça demande du silence, ça demande de la méditation. Bouquet en parle très très bien de ça. C'est mâcher le texte, le lire tous les jours, le dire à haute voix pour soi, l'écouter, se l'entendre dire, rêver dessus, prendre du temps pour que ça puisse petit à petit s'incarner. C'est pour ça que le jeu au théâtre est vraiment très très différent du jeu au cinéma, par exemple. Et quand vous lisez à voix haute un texte, est-ce qu'il vous est arrivé que des auteurs vous disent que vous leur avez fait comprendre des choses ? Oui, ça c'est fantastique. Ça, j'ai travaillé pendant longtemps avec une femme qui s'appelle Nadine Hegels, qui continue d'ailleurs, et avec qui je travaille aussi encore de temps en temps, et qui a une association où elle fait lire des auteurs contemporains par des acteurs en présence des auteurs. Donc c'est souvent des livres qui viennent de sortir. Et ça m'est arrivé régulièrement, plusieurs fois, d'avoir à lire donc en présence de l'auteur un livre, comme Virginie Despentes, et de voir l'émotion sur le visage de l'auteur. Parce que, pour plusieurs raisons, c'est que quand on écrit un livre, quand on écrit une lettre, quand on écrit un devoir, quand on écrit, on a une voix dans la tête. On a une voix dans la tête. On écrit, mais on a une voix. Donc l'auteur qui écrit, lui, il a une voix dans la tête. Et tout d'un coup, il entend son texte lu avec une autre voix. Et même si cette voix cherche à respecter le rythme respiratoire de la pensée de l'auteur, qui se traduit par la ponctuation, il y a quand même quelque chose qui se donne à entendre que souvent l'auteur n'a pas entendu. C'est comme si, tout d'un coup, le fait d'entendre son texte lu par une autre voix lui permettait d'avoir accès au sous-texte, dont il n'est pas forcément toujours conscient lui-même. Vous aimez beaucoup enregistrer des livres et lire des audiolivres. Je sais que vous avez lu, que vous avez enregistré Dicker, Joël Dicker. Oui, Dicker. Et de nombreux, nombreuses œuvres. Là, je viens de faire les cerfs-volants de Gary pour Gallimard, et puis
un livre magnifique qui s'appelle, je crois, François, portrait d'une amitié, qui est un petit livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je ne suis pas très bon avec les noms. Hein. Et comment ça se passe lorsque l'on enregistre comme ça un livre? C'est tout à la fois, je dirais, vous vous enfermez plusieurs jours, ah oui. Vous allez au bout du livre, oui, oui. Ou c'est par petites séquences? Non, ça dépend des acteurs. Moi, j'aime bien rentrer dedans. C'est vraiment le sous-marin. C'est une petite cabine qui est vraiment de la taille du fauteuil avec une table, un micro, voilà, et une vitre où on voit l'ingénieur du son. Il y a un casque, une petite lumière. On rentre, on s'assied à 10 heures du matin et on en ressort à 6 heures le soir. Et vous devenez la voix d'un livre. Et on devient la voix d'un livre. Et on rentre dans un univers complètement. Et moi, j'aime bien le faire comme ça, même quitte à aller jusqu'à une certaine fatigue. C'est intéressant aussi. Et quand on devient la voix d'un acteur... Ça, c'est particulier, ça. Et que l'on double, ça fait... Vous êtes la voix officielle de Hugh Grant. Enfin, disons que je le fais depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Ah oui? Oui, depuis Notting Hill. J'ai fait tous les films qu'il a fait depuis Notting Hill. C'est le seul que je fais, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois Brad Pitt, peut-être une fois Banderas ou deux fois. Mais vraiment, celui que je fais régulièrement, c'est lui. Et vous connaissez? Non, on ne se connaît pas. On a des amis communs, mais on ne se connaît pas. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que nos voix changent avec l'âge, mais elles changent ensemble. Ah, c'est amusant. Alors, de cette petite parenthèse de cinéma, on ne peut pas ne pas évoquer dans cette rencontre, évidemment, 10%. Et ce rôle de Mathias Barneville, qui a changé votre quotidien quand même. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans cet agent qui est, semble-t-il, antipathique et en fait pas du tout, on est tous entichés de Mathias Barneville. Vous dites que c'est un clown blanc. Oui, c'est un peu un clown blanc, c'est-à-dire que c'est le clown blanc, c'est celui qui permet à l'autre clown de faire ses vannes, en fait, non? Il est toujours un tout petit peu à côté, c'est-à-dire il veut contrôler la situation, il veut conquérir l'agence, il veut racheter l'agence. Mais à chaque fois qu'il fait des trucs, ça, oui, hein, il se plante, quoi. Oui. Il se plante régulièrement. C'est ce qui fait que c'est assez touchant aussi chez ce personnage. Qu'est-ce qu'il y a de moi? Il y a forcément des choses de moi, mais je ne veux pas vous les dire. En tout cas, il a beaucoup de charme, hein, Mathias Barneville. Voilà, ça c'est de moi. Voilà, par ça c'est de vous, absolument. Alors, 10% a évidemment eu un grand succès sur France 2. Il va y avoir une quatrième saison. Il est maintenant sur Netflix. Est-ce que ça a ouvert des horizons nouveaux professionnellement pour vous? Alors, ça, c'était une aventure assez incroyable, cette histoire de 10%, parce que personne n'en voulait. Et on fait 10% de combien? Parce qu'on parle de 10%, mais il n'y a pas un salaire, il n'y a pas un cachet, il n'y a pas un chiffre dans cette Absolument, série. C'est vrai. Et 10%. J'en ai souvent... Ben 10% du salaire. Oui, c'est voilà. Ce que touchent les agents. 10% du salaire des clients qui défendent. Après, c'est vrai que moi, plusieurs fois, j'ai dit aux réalisateurs, etc., mais ça serait bien quand même, parce que le travail de l'agent, quand même, au principal, c'est de discuter le cachet de l'acteur, bon, avec la production. C'est, à un moment, c'est inévitable, cette rencontre. Et effectivement, on n'en parle jamais. Mais c'est très français, ça. On ne parle pas d'argent en France. Ça serait la même série aux États-Unis, mais il n'y aurait aucun complexe à parler de combien ils gagnent. Or, aller dire combien gagne Madame Huppert, Mademoiselle Adjani, etc., là, on rentre dans des zones très compliquées. Il y a moins de guests qui viendront dans la série? Sans doute. Ah oui. Sans doute. Vous n'avez pas peur à l'avenir que Mathias Barneville, qu'on vous voit à chaque fois comme cet agent lorsque vous avez un rôle à jouer? C'est un peu le problème, c'est que très souvent, malheureusement, les producteurs et quelquefois les réalisateurs, hélas, n'ont pas beaucoup d'imagination. Et quand ils vous voient dans une chose, surtout si vous la faites bien, ils ont tendance à vous refiler un peu toujours le même bébé. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire du théâtre aussi, parce que ça me permet de sortir de ça. Et puis, j'essaye de choisir, dans la mesure du possible, des choses très différentes, dont le film que je viens de finir, et qui va s'appeler Miss, qui est une comédie qui sortira dans un an, où je fais un personnage qui est... Inattendu.
totalement inattendu. En tout cas, qui ne ressemble pas du tout à Batias. On ne peut pas dire. Donc ça, on va laisser le suspense. Voilà. Vous êtes au théâtre aussi, quasiment tous les soirs, là, jusqu'au mois de mai. Dans quelle pièce ? Une pièce de Salomé Lelouch qui s'appelle Politiquement Correct, qu'on avait créée juste avant les élections présidentielles, qu'elle a écrite et mise en scène. Et qui raconte l'histoire d'un garçon et d'une fille qui ont échangé leur portable dans un café. Bon, ils se retrouvent pour se le rendre, ils prennent un café ensemble, ils se plaisent, ils passent la nuit ensemble, etc. Commence une histoire d'amour. Elle est une bobo de gauche, prof d'histoire, très bio, etc. Lui est ukrainienne par son père, deuxième génération arrivée en France. Et lui est un garçon qui est catholique, avocat, vieille famille française, middle class, etc. Et au bureau du Front National. Et donc, c'est une pièce qui est une romance, qui est une histoire d'amour, mais qui pose évidemment toutes les questions. Toutes les questions. Toutes les questions. Et moi, je me rends compte que je vous ai coupé, je vous ai posé une question et je ne vous ai pas laissé le temps de répondre. Je vous demandais ce que Netflix, professionnellement, avait ouvert chez vous. Est-ce que ça a une influence internationale énorme. Mais énorme. C'est-à-dire, c'est complètement dingue même. C'est-à-dire que... alors, c'est parce que c'est une série qui parle du métier aussi. Donc, par exemple, à Hollywood, ils la regardent tous. Je suis allé à New York l'été dernier, j'ai rencontré des casting directeurs qui sont des grands casting directeurs de cinéma. Ils me connaissaient tous, ils connaissaient tous les personnages de 10%, etc. Ça s'appelle Call My Agent sur Netflix. Là, j'ai rencontré un très grand réalisateur coréen qui s'appelle Kim Jin-woon, qui va faire une série pour Arte, pour Canal+. Qui est un monsieur qui ne parle que coréen, pas anglais, qui ne connaît rien à la France, et qui est venu en France pour rencontrer un peu les grands acteurs, Cassel, Jackie Cario, etc., qui seraient susceptibles de travailler avec lui. Et puis, deux jours avant de venir à Paris, il s'est dit, tiens, je vais regarder sur Netflix et je trouve pas un truc français pour que ça me mette un peu dans le bain. Il tombe sur 10%. Il regarde 10%, il arrive à Paris, et on lui dit, voilà, vous avez rendez-vous à telle heure avec monsieur Cassel. Il dit, oui, d'accord, monte à Lambert. Je veux le voir. Et on s'est rencontrés. Ça vous a ouvert le monde. Ça ouvre le monde. Ça a ouvert le monde. Et ça, c'est fou. C'est complètement fou parce que c'est vraiment une série très française. On ne peut pas dire, franchement. C'est vraiment français. Mais... Avec des réalisateurs de cinéma, je pense que c'est une partie aussi de la qualité de la série. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que les réalisateurs de télé sont... en dessous, différents, etc. Mais quand on est à la télévision, parce que c'est la télévision, on fabrique un produit, au cinéma aussi, mais très souvent quand même les réalisateurs sont à l'origine du produit qu'ils vont fabriquer au cinéma, ce qui n'est pas le cas à la télévision. C'est-à-dire que la chaîne vous donne un scénario à réaliser, et avec ce scénario, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter, à savoir notamment captiver le spectateur suffisamment rapidement pour qu'il n'aille pas zapper sur la chaîne suivante. C'est-à-dire quand vous êtes dans une salle de cinéma, a priori, vous êtes enfermé pendant une heure, on vous prend, on a le temps de vous emmener pendant cette heure jusqu'au bout, ça vous plaît pas, etc. Mais vous restez, vous ne pouvez pas zapper. À la télévision, on peut zapper, donc il faut accrocher tout de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les acteurs, les rôles à la télévision sont très souvent stéréotypés, ils sont donnés dès le départ, et puis ils ne vont pas évoluer tant que ça. Alors maintenant, il y a les séries, qui permettent justement de faire évoluer les personnages, etc. Mais dans la télévision, disons France Télévisions, ils n'ont pas encore complètement intégré certaines de ces nouveaux paradigmes, disons. Donc voilà, là on a affaire à une série où tous les réalisateurs sont des réalisateurs de cinéma. Ça veut dire que quand on filme pas seulement la personne qui parle, la personne qui répond, mais on va filmer aussi quelquefois la personne qui regarde, ou le silence, parce que c'est important. Ça fait partie aussi de l'histoire et du jeu, et ça permet aussi au spectateur de développer aussi sa propre histoire. Donc voilà, il y a une qualité à l'image, il y a une qualité à l'écriture, il y a une qualité au jeu, qui font que cette série, elle est vraiment bien.
Ah oui, oui, ouais. Elle est vraiment bien, je confirme. Nous allons finir sur le livre, parce que vous avez eu la gentillesse, lorsque je vous l'ai demandé, d'accepter de lire. Vous avez choisi de lire l'un des livres que vous partagiez avec votre frère lorsque vous lui faisiez la lecture à voix haute, qui est Les Cavaliers de Kessel. Mmh. En quoi ce livre, vous avez particulièrement envie de le lire à voix haute? Je vous laisserai répondre à cette question. Je vous poserai ensuite le questionnaire de pivot qui finit toujours nos rencontres pour que vous puissiez, après, pendant une demi-heure, lire. Ok. Donc Kessel. Alors, pourquoi Kessel? Évidemment, c'est un des auteurs que j'aime énormément. J'ai lu pas tout, mais enfin presque tout. Et pourquoi Kessel? Parce que, vu l'espace ici, je pense que c'est quelqu'un, c'est un auteur qui vous embarque dans un voyage. Et c'est comme Vernon Subutex. C'était formidable de le lire à l'opéra, parce que Vernon, c'est pas de la musique de chambre, quoi. C'est pas de la musique de chambre, et c'est pareil, Kessel, c'est pas de la musique de chambre. Il faut que ça soit large, il faut que ça soit donné. Donc j'avais envie aussi de faire une lecture qui soit vraiment comme ça. Et puis parce que ça illustre vraiment, et le verbe se fait chair, c'est-à-dire que l'écriture de Kessel, elle est extrêmement visuelle. Il vous embarque dans quelque chose. Et ce que je vais vous lire là, donc, est un extrait des Cavaliers, c'est il raconte ce qu'est ce jeu qui aujourd'hui, je pense, a disparu, qui s'appelait le Buscachi, qui est un jeu traditionnel en Afghanistan, qui consiste, ben vous allez le voir, c'est une espèce de lutte entre des cavaliers qui doivent s'emparer de la dépouille d'un bouc et l'emmener sur un territoire, comme ça, le faire tourner autour d'un poteau, et puis la ramener. Et évidemment, tous les coups sont permis. Donc il décrit ça, qui est une espèce de fête dionysiaque, extrêmement violente, c'est très violent, mais c'est... Bon, c'est, voilà. C'est magnifique. Oui. Alors, la lecture vous a permis d'échapper à la réalité, vous a ouvert le monde, vous dites qu'elle vous a permis aussi de rejoindre les autres. La lecture, ce sont des mots, bien sûr. Quel est votre mot préféré? Quel est mon mot préféré? Il y en a plein, des mots préférés. Je dirais courage. Et le mot que vous détestez? Manipulation. Je vais vous demander quel est votre juron, votre gros mot préféré. Oh. Putain, je crois. Très basiquement. Quelquefois, fuck, ça sort aussi. Oui, bon. Parce que j'entendais ça quand j'étais petit, mes cousins irlandais, etc. Fuck. Bon, alors, ça sort quelquefois. Mais putain, ça sort. Ça sort facilement. Oui, ça sort. Est-ce qu'il y a un son, un bruit que vous aimez? Un son, un bruit que j'aime. C'est très intime, ça. Non. Mais on est entre nous. J'adore entendre la respiration de ma femme quand elle dort. C'est très joli. J'ai pas envie de vous demander le son que vous détestez derrière ça, mais vous qui, dont on sent que la mystique, que la spiritualité accompagne beaucoup votre vie, et c'est de ceux qui liront et le verbe se fait chair s'en rendront encore plus compte, la fameuse phrase de Bernard Pivot, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Je ne voudrais pas qu'il me dise quelque chose, je voudrais qu'il me sourie. C'est très joli. Alors, écoutez, vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas le public, il est dans le noir, mais vous savez, il vous sourit. Merci infiniment, Thibaut de Montalembert. Tout à l'heure, vous allez dédicacer, je sais que vous aimez vous promener dans les librairies, vous dites que ce sont des pâtisseries, que vous avez envie de toucher à tout. Enfin, j'espère que dans les pâtisseries, vous ne touchez pas à tous les gâteaux. Mais donc tout à l'heure, vous dédicacerez dans l'entrée de la salle Poirel.
Et maintenant, en vous disant que Les Cavaliers de Joseph Kessel sont en vente aussi avec votre livre, c'est à vous, Thibault, pour cette lecture que je vous remercie infiniment d'offrir au public nancéen. Les trompettes de cavalerie sonnaient. Le ciel était pur et chaud le soleil, et bonne la brise qui arrivait des monts enveloppés de neige. Sous le souffle des cimes, ondulaient, ruisselaient, claquaient, dansaient, chantaient drapeaux, étendards, fanions, oriflammes, plantés autour du terrain plat de Bagrami, dans le voisinage de Kaboul. À 6000 pieds d'altitude allait se jouer le premier bouskatchi du roi. Le champ était très vaste, mais sans démesure. Les cavaliers ne pouvaient pas s'échapper et s'évanouir pendant des heures au fond d'espaces informes, ainsi qu'ils avaient coutume de le faire dans leur steppe natale. Ici, les spectateurs étaient assurés de ne point perdre de vue leur galop et leur combat. Au nord, les maisons d'un village en torchis, fraîchement repeintes de tons roses et bleus, semblaient une enluminure sur le fond des montagnes. À l'ouest s'étirait une longue muraille, à l'est, une file de camions bariolés aux teintes les plus éclatantes formait une autre paroi. Enfin, vers le midi, juste derrière la route, s'élevait une colline. Tout cela, murs, camions, toits plats des maisons, replis du sol, tout était recouvert et comme submergé par un flot d'étoffes lâches, tuniques, braies, franges de ceinture, pans de turban, qui bouillonnaient au gré de la brise. En vérité, on eût dit, à voir cette multitude, qu'il ne restait plus à Kaboul ni un jeune homme, ni un vieillard, ni un enfant. Les trompettes sonnaient. Face à la colline, de l'autre côté de la route qui en longeait la base, trois pavillons de toile gais et de bois clair, construits côte à côte à l'occasion de la fête, empiétaient sur le terrain de jeu. Le peuple, tout imprégné de souvenirs nomades, leur donnait le nom de « grandes tentes ». De hauts dignitaires afghans, vêtus à l'européenne et coiffés de coulasses, occupaient l'observatoire de droite. Les étrangers d'importance emplissaient la tente de gauche. Par contre, dans la tente centrale, où un grand fauteuil cramoisi se dressait juste au milieu, il n'y avait encore personne. Elle était réservée au roi. Les trompettes sonnaient. Les oriflammes dansaient. Deux soldats passèrent devant les tribunes d'honneur. Ils traînaient la dépouille sans tête d'un grand bouc. Des coulées de sang filtraient du cou tranché. Sur le toit des villages, sur le faîte des camions, sur le flanc de la colline, courut la même clameur avide et rauque. Les soldats déposèrent la masse velue dans un trou à fleurs de terre, creusé juste en face et à faible distance du fauteuil cramoisi, toujours vide. Sur la gauche de ce trou, et très près, lui aussi, de la tente royale, brillait, tracé à la chaux vive, le but, le cercle de justice. Et plus près encore, le long des trois pavillons d'honneur, baillait un fossé vaste et profond aux parois bétonnées presque verticales destinées à protéger le souverain et ses hôtes. Ainsi l'avaient prescrit les conseillers venus des steppes. Ils savaient, eux, qu'une fois possédés par les démons de leur jeu,
Les Chopendos mongols ne tenaient plus rien ni personne pour sacré, pas même le roi, en l'honneur de qui pourtant ils allaient risquer leurs os. Les trompettes sonnaient, plus haut, plus clair. Un tourbillon de poussière s'engouffra sous les dais rayés de blanc et de rouge. Sur la route, derrière les pavillons, une file de voitures s'arrêta. Des armes cliquetèrent, la foule acclama. Et Zaher Shah, escorté de sa suite, pénétra sous la tente royale. Grand, mince, rassé, vêtu à l'européenne, avec sur la tête une koula de l'astrakhan le plus précieux, il alla lentement jusqu'à la balustrade. Alors, sur le plateau, encadré de soldats casqués, de lanciers à cheval dont les armes portaient à leur pointe des fanions écarlates, cernés de masses humaines, de couleurs, de rumeurs, baignés d'air et de lumière, dominés par les chaînes des grandes montagnes afghanes, se mit en marche la parade qui préludait au Bouskatchi royal. Au fond de la plaine, du côté où se trouvait le village azur et rose, une troupe de cavaliers, à peine visible, s'ébranla pour avancer avec une lenteur solennelle vers la tente du souverain. En tête venaient trois trompettes formées en triangle, et de leur cuivre, une marche joyeuse et vive, comme un pas de jeune fille, s'envolait vers le ciel. À quelques pas, retenant son pur sang arabe avec une superbe aisance, chevauchait seul un jeune colonel, parent du souverain, qui avait la charge de diriger et contrôler toutes les péripéties du jeu. Plus loin, venaient côte à côte trois cavaliers chenus, mais qui avaient de la selle une telle habitude qu'ils s'y tenaient comme sur un coussin moelleux. Chacun d'eux avait amené l'une des équipes rivales. Chacun d'eux était le chef de Bouskatchi de sa province, Maïmana, Mazar-i-Sherif, Katagan. Les seuls dans l'Afghanistan où, par tradition immémoriale, les bêtes étaient assez résistantes, rapides, entraînées, et les hommes assez adroits et vigoureux pour se mesurer devant le roi. Les chefs de Bouskatchi étaient vêtus de tchapanès en soie verte à rayures blanches. Derrière eux arrivaient les trois équipes, fortes chacune de 20 cavaliers, déployés sur une seule ligne, un seul front. Pas à pas, lente foulée par lente foulée, grandissaient et prenaient leur taille et leur relief véritable, 60 Chopendos, les meilleurs, les plus célèbres des steppes, choisis à travers 100 épreuves épuisantes et sauvages, montés sur les plus beaux chevaux des trois provinces. Les Chopendos n'étaient point ce jour-là habillés ainsi qu'à l'ordinaire de tchapanès. Chaque équipe avait son costume propre, conçus pour le Bouskatchi royal. Ceux du Katagan portaient des blouses blanches à raies vertes enfoncées dans de larges braies gris fer qui disparaissaient dans des bottes noires montant au-dessus du genou. Sur ceux de Mazar-i-Sherif, les justes au corps et les culottes étaient couleur de rouille et les bottes en cuir fauve ne venaient qu'aux mollets. Quant aux cavaliers de Maïmana, ils étaient chaussés de la même manière, mais leur casaque d'un marron foncé était plus courte et plus ample. Sur leur dos s'étalait, comme une étrange étoile, la peau écartelée d'un agneau d'astrakhan blanc. Sur la tête, les Chopendos avaient tous une toque bordée de fourrure grossière, à coiffe pointue, qui selon les équipes était de haute laine ou de peau brute. Ainsi vêtus, ainsi ornés et portés par des bêtes splendides dont les robes avaient toutes les nuances, depuis le noir le plus pur jusqu'au blanc sans tache, les 60 héros des steppes, cravaches au poing, étirés sur une seule ligne, traversaient lentement derrière les trompettes qui ne cessaient de sonner et derrière leur vieux chef, toute la largeur du terrain de Bagrami. Chacun de leurs visages semblait buriné dans le bois ou découpé dans les cures les plus rudes, hâles jaunes, lèvres cruelles, pommettes violentes et les yeux effilés des oiseaux de proie. La ligne des 60 Chopendos arriva en face de la tente royale. Les cavaliers arrêtèrent leurs chevaux et se redressèrent sur leurs selles. À gauche, 20 blouses blanches et vertes,
Au centre, 20 juste au corps, couleur de rouille. À droite, 20 casaques marrons, frappés d'une étoile irrégulière d'astrakhan blanc. Katagan, Mazari Sherif, Maïmana. Parce qu'on le tenait pour le meilleur chopendose de sa province, où Rose était placé au centre des gens de Maïmana. Debout, la main droite à sa coula d'astrakhan gris, Zahir Shah saluait les cavaliers. Près de lui, contre la balustrade, reposait l'étendard que le vainqueur, l'ayant reçu de ses mains, ramènerait pour un an dans sa province. « Il est à moi !» se dit Ourose. Et il crut voir le torse et le visage de Toursen, son père, ombragé, effacé par les plis d'un trophée comme jamais n'en avait connu la steppe. Zahir Shah prit place dans le fauteuil cramoisi. Le rictus qui servait de sourire à Ourose découvrit ses dents aiguës. C'était la fin des singeries. Le premier bouscachi royal commençait. L'engagement fut d'une grande lenteur. En silence et pas à pas, les 60 cavaliers enveloppèrent le trou qui contenait la bête sacrifiée. Quand ils s'arrêtèrent, elle était cernée d'un anneau compact. Chaque tiers du cercle portait la couleur d'une équipe, le blanc et vert du Katagan, le marron de Maïmana, la rouille de Mazari Sherif. Cette étrange et immense corolle, poussée à fleur de terre, demeura un instant tout à fait immobile. Puis, d'un seul coup, les lanières lestées de plomb se levèrent comme un peuple de reptiles sifflant au-dessus des bonnets de fourrure, un hurlement d'une sauvagerie démente, alliage de toutes les clameurs, déferla sur le plateau et la dépouille de l'animal fut recouverte par la masse des hommes et des bêtes. Par une transformation si soudaine que personne n'en avait pu saisir l'instant, la troupe ordonnée et solennelle n'était plus que tumulte, frénésie, prodigieux tourbillon, huées, invectives, menaces inarticulées, cravaches qui cinglaient, déchiraient naseaux et visages, flux et reflux, chevaux cabrés de toute leur hauteur sur l'enchevêtrement des corps et des poitrailles, chopendos accrochés, suspendus au flanc de leur monture, le front dans la poussière, les ongles grifflants, raclant le sol pierreux afin de trouver le bouc décapité et le saisir et l'arracher. Mais à peine l'un d'eux y avait-il réussi que d'autres mains, aussi féroces, aussi puissantes, lui dérobaient la carcasse. Elles passaient et repassaient par-dessus l'encolure des chevaux, devant leurs yeux, sous leur ventre, et retombaient à terre. Alors, comme du fond d'une onde bouillante, surgissait un flot nouveau de poitrailles, de crinières, de bonnets, de cravaches qui dispersaient le précédent et à son tour devenait une haute lame faite d'étoffes, de corps, de coups et sur elle-même enroulée. Seul, un cavalier qui portait sur son dos l'insigne en astrakhan blanc de Maïmana échappait à la frénésie. Il se tenait juste au bord de la mêlée, effleuré par elle, mais de manière à ne pas être aspiré par l'appel, le souffle du tourbillon. Ah, les voilà plus enragés encore que chez nous, pensait Ourose en suivant de ses yeux cruels l'assaut qu'affrontaient les chopendos de la steppe sur le haut plateau de Bagrami. Et ici, comme là-bas, cette rage n'est que force en vain dissipée. Ici, comme là-bas, celui qui finira par s'enfuir avec le bouc sera rejoint sans tarder. Ourose fit reculer Géol. Le tourbillon refluait de leur côté. Et ils le savent tous aussi bien que moi, se dit Ourose. Il suivait du regard les chocs et les soubresauts, les avancées et les reflux, les creux et les crêtes, où ces dizaines de cavaliers se débattaient, pris au même piège et au même délire, et dont l'odeur mêlée à celle de la poussière devenait plus âcre d'instant en instant. Et Ourose pensa, « Je me trompe, ils ne savent plus rien. » Déjà les vêtements d'apparat étaient souillés de sueur, d'écume, de sang, et déjà les visages qui jaillissaient entre les épaules des hommes et les crinières des chevaux, maculés par l'argile du sol et les sillons des cravaches, masques dilatés et figés dans un étrange rictus de tourment et de bonheur, n'exprimaient plus rien que l'instinct de violence, dénudé à l'extrême. Et Ourose se dit encore, « Eux, ils jouent pour jouer, moi c'est pour gagner. »
Il dut, à ce moment et d'un geste brusque, retenir Géol qui s'était porté en avant. Les talons secoua la tête, où Rose lui caressa lentement l'encolure et dit à mi-voix « Oh, Géol, tu voudrais jouer toi aussi ? Pas encore. Tu dois apprendre à te garder pour la seule victoire, la dernière. Cela est difficile quand le sang est noble, je m'en souviens. » Pour un instant, il ressentit et regretta cette violence brute, cette barbare félicité qui se repaissait d'elle-même et, sans raison ni objet, donnait au sang des hommes tout son feu. Géol à nouveau se porta en avant, où Rose le retint d'une main si cruelle que les talons se dressa de toute sa hauteur pour hennir. Une expression impitoyable accusa chez Rose la saillie des pommettes et le creux des joues. Ce n'était pas une bride ou un mort qui lui avait enseigné à jouer comme il le devait et selon ses moyens le jeu de Buscacci, mais la leçon de Toursen. Quand Allah refuse la puissance aux bras et aux épaules, il compte sur la cervelle du cavalier. Ces mots, après tant d'années, couvraient le tumulte sauvage et la voix de Toursen, pesante, insultante, ajoutait, comme elle l'avait fait autrefois, aux paroles dites, les paroles pensées. « Pauvre avorton que tu es, regarde mon corps et regarde le tien. Pourquoi prétends-tu courir le jeu à ma façon ?» Humiliation atroce et combien profitable. Rose aspira profondément l'air du haut plateau qui portait pour la première fois une odeur de sueur, de cuir vivant, de peau blessée, l'odeur du Buscacci. Il se souvint des rires et du mépris qui avaient accueilli d'abord son refus obstiné du combat en troupeau. Il avait passé outre, ménagé ses muscles et son souffle, guetté comme un loup, comme un faucon, l'instant propice, le cavalier solitaire près du but, et alors, frais, sur un cheval dispo, maître de ses nerfs, forcé, attaqué, gagné, toujours, partout. Rieur et insulteur s'étaient tus depuis longtemps. Sa prudence était entrée dans sa gloire. Les cuisses d'Ourose pressèrent brusquement les flancs de Géol. Ses paupières frémirent sur les yeux aigus qui ne cessaient de surveiller le combat. La mêlée avait reflué du côté des tribunes. Ils n'en finissent pas aujourd'hui, se dit Ourose, d'autant plus enragé qu'ils sont sous le regard du roi. Dans le même instant, il se dit, ce regard, il est sur moi également, sur moi qui me tiens en retrait, bien à l'abri, semblable à un chien chétif, effrayé de la meute. À Mahimana, à Mazari Sherif, au Katagan, cela ne tromperait personne. On y sait qui je suis. Mais pour tout cela, les princes, les notables et les seigneurs étrangers venus des terres les plus lointaines, pour le roi, qui donc est Ourose ? Un couard, et c'est tout. La main d'Ourose se crispa furieusement sur le manche de sa cravache. Un seul coup, et il disparaissait au plus épais du tourbillon. Il porta la lanière à sa bouche et en mordit le cuir. Il ne céderait pas à une fausse honte. Il mènerait son jeu à sa manière. Et quand il jetterait dans le cercle de justice le trophée pour lequel se déchiraient ces imbéciles et que jaillirait de sa gorge le cri le plus beau du monde, « Halal ! Halal !» alors, et les étrangers, et les princes, et le roi seraient bien forcés de le reconnaître. « Patience, patience !» dit Ourose à Géol, qui pourtant ne bougeait plus. L'un d'eux va s'échapper, je le sens. Quelques instants plus tard, il crut que c'était fait. Au cœur de la mêlée, l'un des joueurs surgit, accroché contre sa monture dressée à la verticale, et par-dessus la crinière, il brandissait la carcasse du bouc, déjà vidée à moitié de sang et de substance. 20 démons, aux traits tordus par le désir et l'effort, les bouches déchirées par leur ululement, le cernèrent aussitôt sur leur bête cabrée, et chacun d'eux tendait vers lui des mains pareilles à des serres énormes. Mais le cavalier qui tenait la dépouille velue était si grand, et son cheval si haut, que les autres ne pouvaient atteindre la proie. Ils lacéraient, assommaient en vain du tranchant ou du pommeau de leur cravache les poignets, la figure du géant. C'était Marsoud le Terrible, célèbre entre tous les Chopendos de Mazari Sherif pour sa force légendaire, sa taille immense, sa vaste fortune et ses chevaux superbes. Marsoud ne lâchera point, Marsoud passera,
se dit Ourose, sans s'apercevoir tellement l'attente lui était insupportable, qu'il faisait vœu pour la brute, le fils de riche dont il détestait le nom plus que tout au monde. Il conseillait, dirigeait, ordonnait en esprit, « Va, va, Marsoud, frappe, frappe donc de ton poing gauche. Tu es si fort que tu dois jeter bas les deux qui te serrent de plus près, puis rabat ton cheval et frappe encore, et saute, et trou, perce et passe. Va, Marsoud, va donc !» Le colosse, trop lent, trop lourd sans doute, ne manqua la manœuvre que d'un instant, et de cet instant, les démons qui l'entouraient profitèrent. 10 bras s'accrochèrent aux siens, 10 à la bride, à la crinière de son cheval. Le poids de ses grappes humaines fit retomber Marsoud à la hauteur des autres. Il disparut sous les assauts. « Enfant de truie, cerveau de mulet, tout est à reprendre !» gronda Ourose, et en même temps il pensa « Toursen à ta place !» Il revit, comme il l'avait vu tant de fois, son père dressé sur la vague des bonnets fourrés, des crinières sauvages et des cravaches crépitantes, le défi et l'outrage à la bouche, le bouc décapité au poing, et qui, lui, toujours, faisait sa trouée. Et la vieille et brûlante admiration lui emplit le cœur, et, impossible à supporter, la souffrance d'être le fils du grand Toursen, de ne point l'égaler. Et Ourose se dit, mais lui, toujours, il a eu un géol, et tout de suite après, mais en ce jour, j'en ai un aussi. Alors, sans le savoir tout à fait, il avait obligé son étalon à reculer encore. Sans le savoir tout à fait, les reins tendus, les genoux frémissants, il s'était penché sur l'encolure, ses yeux étroits réduits à une fente, pour mieux situer du regard la sombre tache poilue qui passait et repassait de main en main entre les flancs des chevaux, devant leurs naseaux et sous leur ventre. Le ululement solitaire d'Ourose résonna tout à coup aigu et long, comme celui du loup en chasse. Géol, poussé de l'éperon et de la cravache, se rua vers la mêlée. Aucun des Chopandos ne s'attendait à cet assaut par derrière, à ce coup de bélier, de boulet. Ourose fendit leur masse d'un seul élan, et parce qu'il avait visé juste, se trouva à portée de la dépouille sans tête. Il s'en saisit au vol, l'arracha, et ainsi qu'il l'avait exactement calculé à l'avance, fit cabrer, volter Géol, et à travers la brèche mal refermée encore, s'échappa. Aussitôt résonna derrière lui le galop effréné de la poursuite, et Ourose sut que, malgré l'excellence de Géol, il serait rejoint. Il ne pouvait pas ne pas l'être, même s'il arrivait avant tous au premier mât que devait contourner la dépouille du bouc. Il trouverait fatalement sur son chemin en sens inverse, vers le deuxième poteau, les cavaliers qui auraient coupé au plus court. À quoi bon alors se dépenser, s'épuiser dans une course inutile, stupide? Il venait de faire éclater sa valeur à tous les yeux, cela devait suffire. Il fallait maintenant ralentir le train, abandonner le bouc après un simulacre de lutte et reprendre le guet jusqu'au détour le plus favorable. Ainsi le voulait l'exigence de la victoire. Mais une autre, plus ancienne, habitait maintenant Ourose. Il s'était appliqué à la maîtriser, la dompter, à jamais, par 20 ans de dressage. Or, pour lui avoir accordé un seul instant de répit, de pouvoir, il sentait que la violence de sa jeunesse, pareille à une fronde soudain libérée, le lançait malgré lui, droit en avant, comme une pierre aveugle. Au lieu de retenir Géol et laisser à d'autres, avec la carcasse du bouc, les accrochages, les assauts, la fatigue, les blessures, Ourose, cravache suspendue par la lanière à ses dents serrées, la viande et la toison chaude, coincées entre la selle et la cuisse, poussait des genoux, de l'éperon et de sa clameur, les talons dont il partageait la furie et le bonheur de courir. Quelle délivrance que de rejeter soudain, hors de soi, attente, patience, prudence, calcul mûrement réfléchi, et ne plus être, muscles, nerfs et sang, que vitesse, acharnement et passion. Va, va, Géol, va, mon prince, va, mon roi, nous sommes les plus rapides, nous sommes les plus forts. Ainsi criait, ainsi chantait Ourose d'une voix qui n'était plus la sienne, mais celle d'un démon ressurgi des limbes et qui, tout puissant, l'emportait. Et Géol arriva le premier à la hauteur du mât. Et parmi les Chopandos du Katagan, qui, plus petits et légers que les hommes de Mazar-i-Sherif ou de Maïmana, et montés sur des chevaux plus fins et plus prompts, ressemblaient, sous leur casaque blanche rayée de vert, à un essaim de guêpes, parmi ceux-là même, les plus rapides ne suivaient Ourose que de loin. Il fit au galop le tour du mât
et agita la dépouille, comme un étendard, pour bien montrer aux chefs des Bouscatchi des trois provinces, aux délégués du roi, à la foule enfin, que le bouc avait franchi la première étape. Après quoi, la carcasse écrasée de nouveau sous sa cuisse, il piqua vers l'ouest pour essayer d'atteindre l'autre mât, distante d'une bonne lieue. Là où Rose vit venir à sa rencontre ceux des cavaliers qui, plutôt que de s'acharner à une poursuite vaine, avaient préféré lui couper le chemin du retour, ils étaient 20 pour le moins. Quelle espérance Rose pouvait-il avoir de traverser la meute qui se rabattait sur lui ? Il essaya pourtant. Et comme si la dépouille molle, mouillée, sanglante, dont il sentait la toison contre sa cuisse, lui était devenue plus précieuse que sa propre existence, il mit au service de cette peau velue d'où suintaient la graisse et les entrailles tout ce qu'il savait, tout ce qu'il était, l'agilité, la rapidité surprenante qu'il avait au temps de sa jeunesse, et qu'il gardait intacte la force durcie, serrée de l'âge mûr, un art sans égal d'acrobate, l'expérience méditée, nourrie, enrichie dans chaque épreuve par 30 années de jeu, et enfin cette ardeur enivrante qui, en ce jour, soudain, le portait. Les trois vieux chefs de Bouscatchi, à le regarder faire, hochaient la tête et caressaient leur barbe grise avec admiration. Jamais ils n'avaient vu Uroz jouer de la sorte. Dans leur longue mémoire, ils ne se souvenaient pas d'un joueur aussi étonnant. Il chargeait, se dérobait, feintait, fuyait, revenait, glissait entre ses adversaires. Il jetait bas les uns, échappait aux autres, tantôt couché sur le flanc droit de son étalon et tantôt sur le gauche, ou tout droit, contre son encolure quand il était cabré, ou invisible, sous son ventre. Il défiait les attaques, déjouait les ruses et, sans jamais lâcher le bouc, allait de l'avant. Géol l'aidait d'une façon merveilleuse. Ce n'était pas seulement par la vitesse et la force qu'il l'emportait sur les meilleurs chevaux, mais davantage encore par son intuition et son intelligence du jeu. Il ne se contentait pas d'accomplir chaque volonté, chaque indication d'Uroz. Il dépassait toujours de son maître la meilleure espérance, en puissance comme en habileté, en choc, détente comme en esquive, feinte astucieuse ou crochet imprévu. Mieux encore, on eût dit que, souvent, il ne suffisait plus au cheval de satisfaire les désirs d'Uroz dans toutes leurs exigences, ou même de les deviner, de les prévenir. Il inventait les passes, il jouait pour lui-même et par lui-même, et d'un infaillible instinct. « Ah, tu es un grand Chopendoz, ô Géol !» pensait alors Uroz. Mais les feintes, si elles leur permettaient de s'échapper, les obligeaient aussi à ralentir, à détourner leur course. Le gros des cavaliers les rejoignit pour les prendre à revers. La clameur, le souffle de la horde était déjà sur eux. Il leur fallait percer dans l'instant même. Qui donc eut le sentiment du point faible dans le rideau mouvant des adversaires qui leur barrait la route en avant et choisit le fragment de terrain tenu seulement par 2 cavaliers et les moins redoutables ? Uroz, Géol, les 2 à la fois. Uroz n'eut pas à toucher les talons. Les 2 Chopendoz couraient à leur rencontre, non pas de front, car leurs chevaux ne pouvaient pas arrêter, soutenir la charge d'une bête beaucoup trop vigoureuse pour eux et trop prompte, mais chacun d'un côté, afin de saisir, d'accrocher Uroz et sa monture. Ils atteignirent leur proie ensemble, avec un ululement de victoire. Juste à ce moment, Géol se dressa tout droit sur ses sabots arrière, tourna sa tête hennissante vers l'ennemi de gauche et lui broya la main entre ses dents, tandis qu'Uroz, comme détaché de l'étalon, levé sur ses étriers, frappait du manche de sa cravache l'autre Chopendoz en pleine poitrine et le désarçonnait. « C'est moi, encore, qui porterai le bouc autour du second mât », pensa Uroz. Un mur de chair et de muscles surgit tout contre lui. Uroz leva la tête et trouva bien au-dessus des siens les yeux de Marsoud le Terrible, fente réduite à un fil dans un visage si large et si plat qu'il semblait inachevé, et les yeux de Marsoud, qui savait dans quel dédain Uroz le tenait, exprimaient le sauvage bonheur d'une haine qui va s'assouvir. Avant que Géol ait pu faire un mouvement contre le cheval qui bloquait son chemin et qui, par la taille et la densité, le valait, Marsoud abattit une paume énorme sur la nuque d'Uroz, le souleva de selle comme s'il était un pantin de son, et ayant saisi de sa main libre la carcasse du bouc, s'écria « Ah, tu te décides enfin à jouer comme tout le monde, alors voilà, triste avorton !»
Le géant laissa choir ou rose, éperonna, fouetta sa monture et partit au galop dans la direction du mât. Vide, stupide, privé de tout sentiment, de tout réflexe, Ouroz regardait courir Marsoud. Une crinière effleura sa joue. Les yeux humides, étincelants, impatients de Géol étaient fixés sur lui. Ouroz frissonna. Il avait été jeté, et de quelle manière, d'un cheval sans pareil. Il avait perdu l'honneur devant son étalon. Une autre pensée lui vint encore, plus atroce. Jamais Toursenne. Un bond de tout jeune homme le porta en selle. Ses éperons fendirent les flancs de Géol, sa cravache les lacéra. Il ne courait plus après le bouc, mais le sang de Marsoud. Le géant n'était pas loin encore. Il avait dû se débarrasser au passage de trois cavaliers du Catagan qui l'avaient l'un après l'autre accroché. Ils étaient petits, légers, mais violents et tenaces. Chaque rencontre avait pris du temps à Marsoud. Maintenant, il filait droit vers l'ouest. Le rejoindre. Ouroz savait qu'il le pouvait sûrement. Son cheval, aussi puissant que le cheval poursuivi, était beaucoup plus rapide. Et lui, il pesait deux fois moins que Marsoud et n'avait pas d'égal dans les steppes pour tirer d'une monture toutes ses ressources. Il eut vite dépassé tous les Chopandos et respira mieux. Quand il atteindrait Marsoud, il devrait être seul. Il ne fallait pas d'autres corps, hommes ou bêtes, capables dans la mêlée de gêner, d'amortir son exigence, sa rage de meurtre. Voilà, c'était fait. Plus personne de lui à Marsoud. Et la distance fondait. Soudain, il fut sur le point de retenir Géol et de renoncer à la poursuite. Qu'allait-il faire une fois Marsoud rejoint? Le tuer, comment? À quoi pouvaient servir ses mains, sa cravache, contre le géant de Mazar-i-Sherif? Ah, que n'avait-il un couteau comme emportaient les Chopandos au temps ancien, impitoyable, quand il était permis de taillader les rênes et les sangles? Cependant, Géol forçait encore son galop. La proie était à sa portée, il jouait de nouveau pour lui seul. Ouroz sourit de son rictus de loup. Géol était l'arme la meilleure. Pour s'en servir, il n'eut pas à penser. L'instinct le fit à sa place. Du côté droit, celui où il voyait Marsoud, il libéra sa jambe, puis vida la selle, puis tenu par un seul étrier accroché à la crinière et collé, aplati contre le flanc gauche de Géol, il poussa dans l'oreille de l'étalon, au creux même, le cri le plus strident, le plus dément qu'il put arracher à sa gorge. Un bond énorme enleva Géol. Ouroz ululait sans répit. En même temps, il orientait cette charge de façon à prendre le cheval de Marsoud en biais pour que, à l'instant du choc, l'épaule de Géol le frappa à la jugulaire de plein fouet, comme un boulet. Il tombera net et Marsoud avec lui et son ignoble corps, paquet de gros muscles, sera piétiné, meurtri, déchiqueté, mis en pulpe à coups de sabot. Ainsi pensait Ouroz, et son cri dans le tympan de Géol se faisait toujours plus aigu. Marsoud l'entendit, il tourna la tête, et lui, le terrible, il prit peur. Ses naseaux et ses yeux dilatés, fous, cette bête ensauvagée, enragée, qui venait sur lui sans cavalier, de son propre élan, de sa propre fureur. Marsoud, pour amortir le choc, tendit le bras qui tenait la dépouille du bouc, et ce bras était si lourd et large et dur qu'il dévia la course de Géol, l'espace d'un instant. Mais dans ce même instant, Ouroz se dressa sur sa selle et d'un coup de sa botte au talon effilé, brisa net le poignet de Marsoud. Les doigts se détendirent, la peau du bouc leur échappa. Ouroz s'en saisit au vol, relança Géol, tandis que Marsoud considérait sa main tordue selon un angle étrange, impossible, et sur laquelle il n'avait plus de contrôle. Ouroz porta le trophée autour du second mât. Au débouché l'attendait à nouveau la meute des Chopandos. Cette fois, sauf les blessés et les estropiés dont les chevaux erraient à travers le plateau et qu'appelaient à grands cris les saïs, ils étaient tous devant lui. Tous dévorés par une passion qui touchait à l'extrême limite de la fureur. On arrivait à la dernière partie de l'épreuve. Désormais, celui qui détenait la dépouille, s'il avait la force, l'adresse ou la chance de toucher par n'importe quel trajet le cercle de justice, deviendrait le vainqueur du Buscacci royal. Et recommença la mêlée, par où s'était ouvert le jeu. De nouveau, la peau de bouc alla, flotta de main en main entre les chevaux cabrés dans un tourbillon de hauts bonnets, de crinières, de cravaches, de faces couvertes de sueur, déchirées par les morsures du cuir et du plomb.
Et un cavalier finit par s'échapper, et ce n'était pas Ourose. Et lui, comme tous les autres, il courut à sa poursuite. Et comme les autres, il fut de chaque chasse, charge, accrochage, assaut. La dépouille revenait entre ses doigts, était enlevée, revenait, s'échappait encore. Cela ne comptait plus pour lui. Il n'avait qu'un désir, frapper, frapper, sans fin. Poursuite et recul, passe et crochet, rencontre singulière et choc de masse, la troupe hurlante avançait tout de même vers la ligne de chaux vive qui cernait le but. Ils l'aperçurent enfin qui brillait au soleil. Un Chopendos de Maïmana, dans cet instant, avait le trophée. Il tenta sa chance, essaya de percer. Un cavalier du Katagan surgit sur son flanc, arracha le bouc et continua au galop dans la même direction. Encore quelques foulées et il serait à portée du cercle de justice. Mais sur son chemin, un cheval démonté qui courait au hasard lui fit perdre quelques secondes par le détour auquel il l'obligea. Quand il en sortit, une douzaine de Chopendos lui interdisaient le but. Il entendit le galop de ceux qui voulaient l'envelopper, le priver de sa proie. Il ne pouvait pas l'accepter, ayant été si près de la victoire. Il piqua droit devant lui, arriva face aux tribunes. La horde le talonnait. Comment lui échapper ? Sauter par-dessus le trou béant qui protégeait les grandes tentes, les invités d'honneur virent si bien dans les yeux élargis et hagards se lever ce désir qu'ils se tassèrent sur les gradins. Au dernier moment, le cavalier à la tunique blanche rayée de vert sentit que l'ampleur du fossé défiait toute espérance et que le bon le mieux conduit réussirait seulement à faire contre la paroi de béton éclater ses os. Alors il galopa le long de l'obstacle, la troupe entière des Chopendos derrière lui. Au vent de leur course, à leur visage, à leur cri, les gens des tribunes sentirent que, s'ils l'avaient pu, ces cavaliers des steppes eussent piétiné leur roi lui-même pour un lamentable chiffon velu. Quand le Chopendos poursuivi eut dépassé la file des pavillons d'honneur, il se trouva devant une muraille de camions couverte d'hommes sur qui flottaient, comme des milliers d'ailes, les pans de leurs turbans agités par la brise. Il n'y avait que deux issues pour le Katagani. Sur sa gauche, la bordure du plateau, où il ne pouvait manquer d'être acculé contre les lourds véhicules. Et sur sa droite, un étroit et bref passage qui menait à la route de Kaboul. Il y déboucha. Elle était occupée dans toute sa largeur par la voiture, elle était occupée dans toute sa largeur par le convoi royal. Le Katagani passa entre les rangées de voitures, sauta par-dessus la dernière file et se trouva devant la colline qui, au bord du plateau, était chargé d'un peuple immense et semé de baraques, de tentes, d'éventaires, d'énormes samovars en cuivre. Le Chopendos ne prit pas le temps de réfléchir. Un appel d'éperon, un sifflement de cravache, et son cheval s'enfonça dans la foule. Les autres cavaliers n'avaient pas hésité davantage. La charge balaya la colline. Fruits, samovars, éclats de bois, turbans, sandales volèrent dans son sillage. Pour les hommes, ce que les chevaux ne touchaient pas, les fuyards les renversaient. La clameur suspendue sur la colline, faite de cris d'épouvante et de ululements inhumains, semblait la plainte de la terre et du roc. Ourose n'était pas de la horde. Sa rage brute avait-il eu le temps de l'épuiser, ou bien était-ce d'avoir reconnu le visage en haut relief sur fond de velours rouge devant la tente royale où Rose se trouva subitement rendu à lui-même. Il modéra l'allure de Géol d'une main savante, et quand toute la troupe des Chopendos s'engouffra dans le passage qui menait à la colline, il ne la suivit point. Là-bas, prise de terreur, la foule hurlait. Rose tourna bride. Dans le désordre où des milliers et des milliers d'hommes s'entrechoquaient au hasard, il n'y avait aucune chance pour personne de rattraper le Katagani. C'était au pied de la colline qu'Ourose devait l'attendre, le surprendre, embusqué derrière la ligne des tentes d'honneur et le fossé qui les couvrait. Le détenteur du bouc était obligé de passer par là, à sa portée, pour gagner le cercle tout proche de chaux étincelante. Aux alentours, il n'y avait qu'un Chopendos énorme, le bras soutenu par une écharpe rouge et qui faisait aller et venir sa monture sans but en spectateur, Marsoud. Terrible pour personne, se dit Ourose avec indifférence. Il était revenu à son état habituel. Les hommes ne représentaient pour lui que les éléments du jeu. Il se courba sur l'encolure de Géol et l'incita d'un effleurement à se tenir prêt.
Et tout se passa comme il l'avait prévu. Le Katagani dévala sur la route de Kaboul, la franchit d'un bond, fonça vers le but. Uroz jaillit de son embuscade, et avant que le cavalier n'eût compris qui était l'assaillant ni d'où il sortait, et avant que le premier des autres Chopandos ait eu le temps de le rejoindre, l'épaule de Jehol heurtait d'un coup terrible la monture du Katagani. L'homme à la blouse rayée de vert chercha à revenir en selle. Entre ces deux mouvements, Uroz avait saisi le trophée et courait, seul, vers le but. Il l'atteignit, s'arrêta sur le bord éclatant du cercle de justice, leva haut le bras qui tenait les restes du trophée. Il ébaucha le geste du lancer et le cri délirant « Dalal !» déjà était dans sa gorge. Alors une main massive accrocha également la peau velue, une main qui sortait d'un juste au corps couleur de rouille, couleur de Mazar-i-Sherif, la main gauche intacte de Marsoud. Elle ne fut pas capable de bloquer Uroz, mais l'accompagna, le doubla dans le mouvement qui abattit la carcasse au milieu du but. Il y eut un instant de désarroi, de silence. Et puis d'un même élan, les Chopandos de Maïmana et ceux de Mazar-i-Sherif poussèrent leurs chevaux meurtris, noirs de sueur, blancs d'écume, devant la tribune du roi. Et 40 cavaliers, tous ensemble, se mirent à interpeller avec des cris sauvages le souverain par-dessus la tranchée de béton. Et leurs cravaches sifflaient dans leurs poings. Ceux qui portaient les pourpoints couleur de rouille et ceux dont les casaques étaient marqués de la peau blanche en forme d'étoile exigeaient d'une même violence que la victoire leur fût attribuée. « C'est nous qui avons gagné !» hurlaient les Chopandos de Maïmana. « Le Mazar n'a fait qu'effleurer la carcasse et au tout dernier instant, chien voleur, impudence effrontée !»« Honte et mensonge !» clamaient les gens de Mazar-i-Sherif. « C'est le terrible qui tenait vraiment le bouc, c'est sa main qui l'a jeté !» Les chefs de Bouskatchi de chacune des provinces, vénérables par l'âge et par le rang, se défiaient de leurs fouets brandis. La poussière soulevée par les chevaux entrait à flots épais dans la tente du roi. À travers elle, ils voyaient les figures brutales, convulsées, déchirées, effroyables, masques de boue et de sang qui hurlaient défis, injures et blasphèmes. Le roi leva la main et tout fut silence. Et il dit « Selon la loi de justice, « je décide le partage, qu'un demi-honneur aille à Maïmana et un demi à Mazar-i-Sherif, et que reprenne le jeu. » Merci infiniment Thibaut de Montalembert. Merci à vous toutes et à vous tous.